7h49 minutes. Bonjour Sayan, bonjour Salim Brahimi. Bonjour Soraya, Bent Sahara, elle est super belle. Et il la chante très bien ce monsieur. Je pensais que vous parliez de moi. Je suis Sahara, c'est vrai. Bah allez. Alors ce matin, nous parlons de la perle des Ibans. Absolument, la perle des Ibans, et c'est Biskra. Vous savez Soraya, pour ma part, quand j'essaye de voyager dans notre beau pays, avant de faire un voyage culturel, touristique, je fais d'abord un voyage culinaire. Ça se voit. Bah oui, l'arnaque et tout, hein, bah ouais, ça s'entretient. Et en fait, Biskra n'est pas très loin de la ville de Batna, et ils ont un patrimoine culinaire très proche. Donc on a parlé avec Dobar, donc avec le froid qui commence à revenir. Je peux manger le Dobar maintenant, vite. Bien, kiff. L'odeur, elle est en train de caresser les papilles. Et Tchirtchoura, leur Tchirtchoura. Il m'a Tchirtchoura le psaque là. Bref, Biskra en plus, et les dates, les fameuses dates, les sortes de Gletnor. De Gletnor, tu la prends. Et tu la mets devant le soleil, c'est translucide, c'est transparent, c'est beau, c'est doré. Comment vous mangez la date, vous? Je la lave et je la décortique. Vous la préférez pas avec quelque chose, juste... Non, la date naturelle. D'accord. Et Biskra, c'est aussi les gorges du Roufi. Les gorges du Roufi ou les balcons du Roufi, c'est le grand canyon algérien. C'est majestueux. Donc c'est un écrin qui renferme des trésors à déblayer. Une exposition à découvrir à la galerie Arasim, Alger Centre. Mais pourquoi pas prendre sa voiture ou un bus ou quelques moyens de transport que ce soit et partir là-bas justement se prélasser dans les bras des palmeraies de Biskra. Un paysage magnifique à conseiller à tous ceux qui veulent le dépaysement. Tout à fait. Magnifique région avec un magnifique, dans un magnifique pays. Oh la ibad, Allah Allah. Nassi Harfo, ils savent, comment dire, recevoir voilà, très hospitalier. Exactement. Merci beaucoup Sayan. Il n'y a pas de quoi. On vous retrouve dès demain matin, 7h53 minutes.